Nouria Pérez, bonjour. Bonjour. Directrice de la marque Aven Dermo-Cosmétique au laboratoire Fabre. Vous êtes un personnage important. Alors, voir la façon dont vous êtes sollicité, je devine que vous avez beaucoup d'occupations. Alors en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un grand jour, c'est peut-être pour ça que je suis aussi beaucoup sollicitée. Mon métier c'est le développement des nouveaux produits, mais c'est aussi la gestion de ce site, mais c'est aussi le développement de la marque Aven à l'étranger, à l'international, où elle est aujourd'hui mondialement connue. Mondialement connue, c'est une référence, je crois que j'ai entendu dire... Je crois que c'est le président Mesquida qui disait qu'avec un peu de votre cosmétique, je pourrais rajeunir de 20 ans, c'est ça? Alors, rajeunir de 20 ans, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est que la marque Aven a été lancée il y a 25 ans par M. Pierre-Fabre lui-même, qui, à partir d'une eau thermale qui jaillit ici à Aven, en plein cœur du parc naturel régional du Languedoc, eh bien, a conçu une gamme de soins dédiés aux peaux sensibles qui apportent efficacité, apaisement et plaisir cosmétique. Ce sont des produits aujourd'hui qui sont commercialisés dans 130 pays et qui, effectivement, conviennent à toutes ces peaux qui cherchent un produit efficace, bien toléré et surtout avec toujours beaucoup de plaisir. Une marque qui pèse lourd finalement dans l'économie héraultaise, mais non seulement héraultaise, régionale et même nationale. Oui, alors c'est une marque effectivement importante qui a su se développer depuis ici, car il ne faut pas oublier que la marque Aven naît à Aven et que l'ensemble des produits qui sont vendus partout dans le monde sont fabriqués ici à Aven. Et d'ici effectivement, eh bien, nous avons pu contribuer de notre façon au développement économique du village, de la région, du département évidemment. C'est vrai que c'est une marque importante du point de vue économique pour la région et pour le marché français. Cette inauguration de cet hôtel 60 chambres, 3000 patients seront accueillis. C'est une manne supplémentaire pour la station thermale. En fait, nous avons tous les ans ici à peu près 3000 curistes et 3000 invités, donc des pharmaciens et médecins qui viennent du monde entier pour voir nos installations. Nous avions ici besoin d'avoir un hôtel qui nous permette de les accueillir parfaitement pour qu'ils puissent prolonger leur expérience thermale et séjourner ici à Aven dans l'apaisement continu, tout en étant en contact direct avec la nature. Et c'est pour ça que cet hôtel a été construit, pour nous permettre de continuer l'aventure et de bien accueillir nos invités. Au niveau des patients, des gens qui viennent un peu partout ou uniquement de la région? Alors effectivement, non, c'est une station mondialement connue. Nous avons 3000 patients par an, et dont 10% de curistes étrangers. Alors beaucoup de nationalités représentées dans ce 10%, des Chinois évidemment, des Japonais, des Américains, mais aussi des Australiens, mais aussi des gens d'Angleterre ou de l'Espagne ou d'Italie. Oui, il a été fait la référence à ce Pierre Fabre, un nom célèbre, connu, qui parlait bien sûr d'économie, qui parlait de sa marque, qui parlait de sa station thermale, mais avant tout c'était un humaniste, c'était un homme qui aimait les gens, qui aimait la région, et je crois qu'il l'a bien rendu à cette région. Oui, alors en effet, M. Fabre est un homme qui aimait sa région, qui aimait venir à Aven, car il y venait régulièrement, même quand les affaires étaient déjà très très développées. Et c'est un homme qui aimait les gens, tout simplement, qui aimait écouter, partager, apprendre. Donc c'est vrai que la philosophie de l'entreprise aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est avec cet ancrage dans le sud de la France, avec cet ancrage régional, participer au développement économique, participer aussi au développement scientifique, au développement industriel, à ce savoir-faire français qui nous est tant si cher, et permettre ainsi à nous tous de continuer l'aventure. Les hauts cantons de l'Hérault lui doivent finalement une fière chandelle. La ruralité, la présidente Carole Delga en a parlé, le ministre également, il faut le défendre. C'est important. Oui, oui, en effet. Monsieur Fabre était un homme du Tarn, était un homme de Castres. Il a tout fait, tout construit depuis sa région, depuis sa ville, et jamais ça n'a changé. Alors, ici à Aven, c'est un peu pareil. L'eau jaillit à Aven, et bien c'est depuis Aven que nous allons continuer notre aventure avec vous et autour de vous. Elle a commencé avec un cheval qui tombait dans l'eau et qui a été guéri. Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou une réalité. Peut-être qu'un jour, je vais me tremper dans ces eaux en espérant que ça me donne jouvence. Je suis certaine que ça vous fera du bien sur votre peau, c'en est certain. On aura beaucoup de plaisir à vous accueillir, en tout cas. Merci beaucoup. C'est très gentil, Nouria. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.